Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la si magnifique chanson écrite conjointement par Benjamin Biolay et Kerenan Zeidel en 2000, adaptée par Bia Kruger en 2005 dans sa version brésilienne que je vous présente sous le titre Jardim. Alors naturellement, la version française originale Jardin d'hiver est disponible sur la chaîne, comme ça vous pourrez comparer, peut-être compléter les paroles. On ne se lasse pas de chanter une si belle chanson. Voilà. Bien, j'ai transposé la tonalité originale de Fa mineur en La mineur pour que je puisse la chanter d'abord, sans avoir recours à la transposition interne de mon piano. C'est légèrement trop haut, mais ça fonctionne. Puis parce que ce sera surtout une tonalité très facile pour que vous puissiez vous accompagner sans difficulté. Alors, néanmoins, je vous recommande de toujours lire dans la description tout ce que je vous propose sur ma chaîne pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin. Naturellement, si elle est à 0, symbolisé par les deux lettres K et T qui transposent en anglo-saxon, c'est qu'il n'y a rien à modifier. Comme aujourd'hui, c'est 0. Voilà. Bon, bien entendu, rien ne vous empêche, vous, d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si cette tonalité, elle n'est pas ajustée à votre voix. C'est une affaire de confort vocal, bien entendu. Bien, un dernier mot, ben oui, vous trouverez aussi dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale. Nous sommes partis pour du brésilien. Eu sou Querum, sou Verzim. Alors, on n'a pas vocation à faire la mélodie puisque la mélodie, c'est nous qui la faisons avec notre voix, n'est-ce pas? Donc, on s'accompagne, basse à la main gauche et rythmique à la main droite. Donc, pour mes amis ultra débutants, on va d'abord regarder toutes les harmonies tranquillement. Plaqué, vous allez pouvoir la jouer en balade, et puis après, dans un second temps, ceux qui sont un petit peu plus avancés, eh ben on fera de la bossa nova, bien entendu, voilà, pour lente, pour magnifier cette chanson. Nous commençons, il n'y a pas d'introduction à proprement dite, hein, j'aurais pu en faire une apocryphe, comme d'habitude, mais finalement, Eu sou Querum, sou Verzim. Donc on va commencer, Eu sou Querum. Première harmonie, si mineur, septième, quinte diminuée. Ah, pas de panique, pas de panique. On va regarder tout ça dans le détail ensemble. Gamme de si. Donc par les gammes naturelles et tout ça pour comme ça, moi je tiens absolument à ce que, y compris ultra débutants, que vous, c'est une bonne initiation. Vous commenciez par les gammes vraiment très simples, les gammes naturelles, voilà, de toutes les tonalités. Donc la gamme de si, 1 en degré, 1, 2e degré, 3e, 4, 5, 6, majeur 7e et octave. Donc qu'est-ce que l'on a entendu? Majeur 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e et octave. Le si à si, n'est-ce pas? Eh bien, venons-en justement à cette astuce que je vais vous donner pour faire la différence entre la majeure 7e et la 7e, n'est-ce pas? Si 7e, si majeure 7e. Eh bien, tout simplement, la note fondamentale, tonale ou tonique, comme bon vous semble, un demi-ton en dessous, vous trouverez toujours dans toutes les tonalités, sinon ce n'est pas une astuce, la majeure 7e. Pourquoi? Parce qu'à partir de la quinte juste, n'est-ce pas? 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4 demi-tons au-dessus, vous trouverez, c'est une tierce majeure, et un demi-ton en dessous, c'est une tierce mineure, 3 demi-tons seulement au-dessus, dominante. Donc la septième se trouve toujours un demi-ton en dessous de la majeure septième. Et c'est valable, par exemple, dans Do, Do majeur septième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, octave, majeur septième, Do septième, Do majeur septième, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est extrêmement simple. Ça vous donnera un point de repère. C'est une astuce qu'on ne. Malheureusement, je trouve que les camarades qui font des tutoriels ne le disent jamais. Et il serait bon quand même voilà, de le dire parce que ça vous permettra d'éviter la confusion avec une astuce extrêmement simple. Donc nous avons déterminé que nous souhaitions avoir donc tonale, 1, 2, 3, tierce majeure, quinte majeure et la septième. Eh bien, ce que l'on va faire, nous, c'est que. J'ai énoncé l'harmonie si mineur septième. Donc on va déjà descendre la tierce mineure, on va descendre la quinte, bémol cinquième, n'est-ce pas? Donc si mineur septième quinte bémol, voilà, ou quinte diminuée, comme bon vous semble, et on se retrouve qu'avec des blanches. On va faire usage d'un renversement, si, ré, fa et la. Donc on va garder la note fondamentale, on va garder la tierce mineure, la quinte diminuée, on va la basculer le fa en bas. Et la note septième, le la, on va la basculer en bas.
Donc Fa, La, Si, Ré, Si mineur, septième diminué, tout simplement dans un très beau renversement. Est-il de vous dire voilà, que ce sont des renversements que vous pouvez faire à l'envie. Hein. Donc on va utiliser celui-ci. Et au so, donc on commence sur le Do. Et au so, rum, son, ven, si. Vous voyez, comme ça, on est très très proche. On groupe les harmonies. Deuxième harmonie sur Verzim, mi septième. Donc gamme de mi, toujours la même affaire, hein, dans degré naturel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième, octave. Vous voyez, pour corroborer mes propos, un demi-ton en dessous, c'est la majeure septième. Nous, c'est la septième qui nous intéresse, donc c'est donc un ton en dessous, c'est celle-ci. Donc la fondamentale, la tierce majeure, la quinte majeure et la septième. Mi, la bémol, si, ré. Pejimanga, la mineure septième. Alors, déjà, regardons déjà la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octave, n'est-ce pas? Alors, tonal, tierce mineure, quinte, septième. Alors là, on va faire usage des renversements, bien entendu, qui est très pratique. Donc la septième, on va la basculer en bas, c'est-à-dire la, do, mi, sol. Le sol, on va le basculer en bas. Et la tierce, la quinte majeure, on va la basculer en bas aussi. Voilà. Ou on peut la jouer ici, ou là. Car vous allez comprendre, vous allez voir, il y a trois manières, j'allais dire, d'agrémenter la chose. Là, ce sont des options que je vais vous présenter pour pouvoir enrichir votre harmonie, mais tout simplement par une descente chromatique du La bémol, Sol, Sol bémol, bam, 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 bam. Alors, vous voyez, ça, c'est extérieur. Regardez bien maintenant, sur ce renversement-là, 1, 2, 3, 4, ça va être au milieu. Et si vous voulez le faire extérieur, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a utilisé tout simplement, c'est toujours la mineure, hein, vous voyez, qu'on a tout simplement, regardez, ça c'est la mineure, n'est-ce pas, tonal, tierce mineure, quinte. En haut, c'est toujours la même, la mineure, c'est un simple renversement, n'est-ce pas, et en bas, c'est la même chose. Sauf qu'on y rajoute, j'ai rajouté la septième, ou alors, si on est ici, on peut la rajouter là, ou alors si on est ici, si je puis dire, voilà, en haut, voilà, là-haut, on est déjà sur la septième, voilà, tonal, tierce mineure, quinte et septième, et là, 1, 2, 3, 4, voilà, donc c'est ce qui nous donne, alors, Manga eji jaijmim. D'accord? Donc, manga eji jaijmim. Voilà. Ou alors, vous pouvez simplement, ça c'est au maximum de l'enrichissement pour donner de la couleur, mais sinon, peji manga eji jaijmim. Vous terminez sur la mineur 6. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? Ici c'est la 7e. Ici, mineur, majeur, septième, et la note fondamentale, le La. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, la première, ici, c'est La mineur, septième, renversé, bien sûr. Donc, Mi, Sol, La, Do. Ensuite, vous pouvez descendre sur le La bémol, c'est La mineur, majeur, septième. Vous descendez sur le Sol, c'est La mineur, septième, renversé. Vous descendez sur le Sol bémol, c'est La mineur 6. C'est la sixte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est une petite fantaisie. Si vous ne voulez pas, si vraiment ça vous pose un problème, regardez ce que vous allez faire. Et so kerum sol vezim, pejimanga ejajimim. Vous restez tout simplement sur La mineur 7e. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de jouer la mélodie, vous continuez à chanter, hein. Jimmy. Donc, Jimmy. Mouta fita. Si mineur, septième diminué. D'accord. Du bon film. Mi septième. Akinomeu jardim. Voilà. Je vous aide un peu avec la mélodie, mais pas obligé non plus, hein. Et là, de la même manière, bam, 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 vous pouvez faire la descente ou vous restez là si vous voulez, hein.
On reprend tout doucement. Eusokerum soversim, au plus simple. Pejimanga ejijajmim. Muta fita du bon fin. Akinum eujadim. Au plus simple. Kero figa jimafim. Afastandu kieruim. Respira pieli pimpim. Au jardin. Voilà le premier couplet. On a deux couplets, on a trois couplets, celui qui termine, et on y inclut deux fois le refrain, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes harmonies, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, on les a vues, hein, on vient de les voir. Maintenant, regardons si jamais vous faites la petite fantaisie. Et au soquerum son Pejimanga ejijajmim, muita fita du bon film, akinum eujardima. 2, 3, 4, kero figa jimarfim, afastandu kieruim, respira pilim pim pim, akinum eujardima. 2, 3, 4, d'accord? Voilà, 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, là, la bémol, sol, sol bémol, et vous gardez bien sûr le mi et le do, hein? Bam, 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 d'accord? Voilà, donc vous pouvez vous entraîner tout doucement, ça va avoir plus de sens dans la bossa nova, hein? D'accord? Bam, 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 bam. Plus de sens, non, pas plus de sens, c'est bête ce que je dis. Mais disons que ça va être plus délié. Et là, vous pouvez quand même le faire. Donc ensuite, Kero figa jimatfim, afastandu kieruim, respira pilipimpim, aki no meu jardim. Ou alors, voilà. Que vous pouvez aussi, donc maintenant, en vous aidant aussi avec un peu de mélodie. Et au soquerum soversi, pejimanga jajajmim, muita fita du bon fin, akino meu jardim. 2, 3, 4, quero figa jimarfim, afastando. Mineur ou avec la sixte, la sixième, on passe au refrain. Ashuva, ashuva, kai. Je vous fais la mélodie. Ashuva, kai. Inundu, inundandu, kapi. Do mesmo seu, você veio pra mim, para mim. D'accord, o tempo va. On a la neuvième bémol. Sonois dois. C'est la même chose, hein. Vous voyez, c'est la mineur septième renversée, hein. Alors, voyons déjà tranquillement, on va poser les bases. Donc, achou, achou. Ré mineur septième, gamme de ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur septième octave. Tonal, tierce mineur, quinte septième. Ré, fa, la, do. Achou. Sol 7e. Vous pouvez mettre la 9e si vous voulez, mais Sol 7e c'est bien. Gamme de Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave. Tonal, tierce mineur, quinte, majeur et 7e. Sol, Si, Ré, Fa. Inundum, inundum, du capim. Do majeur 7e. On va utiliser le renversement. On peut utiliser sans renversement, bien sûr, hein. Donc, gamme de Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave, tonal, tierce, quinte, majeur 7e. Vous
vous gardez la quinte, la majeure septième, vous renversez la note fondamentale, tonale, tonique, le do, n'est-ce pas? Et le mi, vous le renversez, c'est-à-dire la tierce majeure, vous la renversez en haut. Voilà. Ce n'est que, vous voyez, qu'un renversement. Hein, vous voyez, deuxième renversement, troisième renversement. Donc, ça nous fait sol, si, do, mi. Donc, je reprends. Ashuvaka inandandu kapi domej museu. Mi septième. Donc, mi, on l'a déjà vu, mi, la bémol, si, ré. Mboseveo brami. Alors là, pareil, si vous voulez faire la descente, vous la faites chromatique, hein. Voir là, c'est voilà, plami, d'accord, ou là, pour varier, hein. Moi, dans le, comme je l'ai fait une bossa nova, j'ai pas voulu vous perdre. Sinon, il y a de nombreuses manières de le faire, hein, bien sûr. Alors ensuite, otem, 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 bovai, ré mineur septième, again, encore, sol septième. Quanto tempo già foi, do majeur septième, même chose, hein, voilà. Ninge mais. Et là, c'est là qu'on a la neuvième bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bémol, le fa. Sonoi, sonoi, dois. N'est-ce pas? Ou là. Comme vous voulez, hein. Donc je reprends tout doucement. Ashuvaka inundandu kapi. Do majeur septième. Do mesmo seu mi septième. Posse veio la mineur septième. Bramim 2, 3, 4. Ou vous restez sur la mineur septième. Hein? O tempo vai la mineur septième. Sol septième. Quanto tempo già foi. Do majeur septième, mi septième, ning mais, mi septième, neuvième bémol. C'est simplement la note fondamentale qu'on joue pas. On la joue à la main gauche, n'est-ce pas? Voilà le mi. Donc son. Oula. Son. Parfois il y a des réactions. Sonois dois. La mineur septième. Il est vieux clavier, il est comme moi. Parfois, il a des réactions, il me fait peur. J'ai l'impression qu'il va exploser. Bon, ça va. Pour le moment, tout va bien. Donc, on a fait un couplet, on a fait un refrain. Deuxième couplet, mais ça va être la même chose. Hein. Donc, on y va. Quero ouvrir. Sol, si mineur septième diminué. O passarim. Mi septième. Sobiendo la mineur septième. Tom Jobim. Je suis très 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 content qu'elle ait inclus dans ses paroles Tom Jobim, puisque vous découvrirez peut-être que j'ai une passion pour Tom Jobim. Grande grande admiration, vous avez une grosse playlist si vous avez curiosité d'explorer ma chaîne. Donc cet hommage me fait particulièrement plaisir. Cachoeira, cachoeira, e mar sem fim, mi septième. Aqui no meu jardim, la mineur septième, 1, 2, 3, d'accord. Ensuite, quero, quero, mchero, si mineur septième diminué, già l'écrim, mi septième, tua beleza, diadorim, même chose, hein. Dès que vous êtes ici, vous pouvez faire la descente ou pas, hein. Et j'y ouvrir, si mineur septième diminué, j'y sais qui c'est, mi septième, à qui nous met au jardin, 1, 2, 3, 4. Allez, retour au refrain. Ashuvaka inundandu kapi. Je ne redis pas les. Je joue lentement. Et vous voyez bien sûr, hein, j'ai peut-être omis de vous dire qu'à la base, vous jouez toujours la fondamentale. Chaque fois que vous entendez, voilà, do majeur septième, ben vous jouez do. Vous pouvez doubler, j'ai pas une grande main, vous voyez, ça donne plus de profondeur à votre harmonie, n'est-ce pas? J'ai pas une grande main et j'y arrive très bien, hein, de do à do, voilà. Do meis museu, mi septième, vos veio pra mim. Vous pouvez rester sur la mineure, ou alors, bam, 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 ou alors là.
là, bam 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 bam, comme on vous semble, hein, au tempo. Vous pouvez glisser aussi sur Ré mineur comme ça, mais bon, excusez-moi, voilà, donc vous pouvez directement y aller, au tempo vai, Ré mineur 7e, Sol 7e, quando tempo già foi, Do majeur 7e, allez, Mi 7e, ninguém mais, Sol. Septième, mi, septième, bémol, neuvième, sono is dois. Dernier couplet, il est tronqué, il n'y a que deux, il y a que deux lignes. Keronko ji, ji setim, samamba ya no charshim. Vous pouvez très bien faire la mineur septième et charshim. C'est-à-dire vous évitez la descente chromatique, vous allez directement de la mineur septième au la mineur six. Je reprends. Kerunko ji, ji setim, samamba ya no charshim. Vous voyez? Ça enrichit votre harmonie. Do et ji ouvrir, si mineur septième divine, ji se kisi. Et là, aki no meu jadi. Et là, je vous propose une très belle harmonie. Je goûte particulièrement. Bien sûr, c'est apocryphe, c'est personnel, mais je l'aime beaucoup, je la place souvent. Donc, c'est un La mineur. Donc, d'abord, voyons avec la sixte et la neuvième. La mineur 6, neuvième. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On garde 6, on garde 9. 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire tonal, tierce mineur, quinte, fondamentale, voilà. Donc ça nous fait La, Do, Mi, Fa dièse et Si. C'est beau, hein? Puisque j'en utilise d'autres, bien sûr, mais celle-ci, elle est pas compliquée, elle est très simple, elle est très efficace. Donc, la sixte et la neuvième, voilà. Alors, donc nous en avons, vous avez toutes les possibilités, donc soit plaqué comme ça, donc je reprends. Eu só quero sorvezinho, peixe manga e de jasmim. Vous pouvez venir mettre la sixième si vous voulez, jasmim. Ou rester sur la septième si c'est compliqué. Hein. Muita fita do bom fim, aqui no meu jardim. Ou rester sur la mineur septième. Hein. Dans deuxième ligne, si vous voulez qu'on enrichir un peu, donc Quero figa de marfim, afastando que ruim, respirar pelo pembe, aqui no meu jardim. 1, 2, 3, 4, e lá, da, 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 glissando lá, a chuva cai, inundando o capim. Do majeur septième, do mesmo seu. Você veio pra mim, oh là là. On va jouer ça toute la nuit, moi. O tempo vai, quando o tempo já foi, ninguém mais sou. Évidemment, après, donc, ou alors plaqué complètement au plus simple, regardez. Quero ouvrir o passarinho, subindo Tom Jobim, cachoeira e mar sem fim, aqui no meu jardim. Même sans même la 6, vous restez sur la mineur 7e. Quero mexer o jalecrim, tua beleza de adorim. E de ouvir dizer que sim, aqui no meu jardim. N'est-ce pas? Voilà. A chuva cai inundando o capim. Do mesmo céu você veio pra mim. O tempo vai, quando o tempo já foi. Ninguém mais sou nós.
Et l'onco Jim, oh là là, c'est tellement beau. Wow. Eh ben oui, tiens, on va y passer à la bossa nova. Donc voilà, mes amis. Donc plaqué pour mes amis ultra débutants. Ça marche, ça fonctionne, ça roule. Vous pouvez matiner les paroles avec française, bien entendu, hein. Vous les avez dans une autre vidéo. Et puis si j'explique mal dans ce tutoriel-là, ben vous prenez l'autre tutoriel. Et comme ça, vous pourrez comparer puisqu'on a la même tonalité, n'est-ce pas? On fait exactement la même chose. La seule chose qui diffère, finalement, c'est qu'il y a un dernier couplet qu'il n'y a pas dans. Il y a deux couplets distincts. Et là, il y en a un troisième qu'elle a, entre guillemets, inventé. Voilà. Enfin, ça ne gêne pas. Hein, voilà. Donc, la bossa nova. Donc, la basso ostinato, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui est un procédé à répéter obstinément une formule rythmique. Donc, on va la répéter, mais on va regarder comment on l'articule. Donc, première harmonie, la mineure septième. On va jouer la fondamentale et la quinte. Oui, mais la quinte, là, on l'a diminuée. Vous vous souvenez? Voilà, si mineur, quinte diminuée. Eh bien, on va diminuer la quinte aussi. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va utiliser la fondamentale et on va articuler là, avec la quinte diminuée. Quand il y a une quinte diminuée, puisqu'on articule la fondamentale avec la quinte. Et je garde la fondamentale bien droite, et c'est la quinte que je bascule toujours en bas. Voilà. Alors, par exemple, ça nous fait. Évidemment, on change d'harmonie, on change bien entendu de fondamentale et de quinte. Donc là, deuxième harmonie. Donc première harmonie, c'est si avec la quinte diminuée, donc fa. Ensuite, vous articulez de pam, 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 pam. Donc, ce que je propose, vous avez une belle vue du dessus. Je retire les doigts qui pourraient gêner votre vue. Et comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Et je vais vous proposer, vous n'ayez pas à chercher la quinte, je vais vous proposer tout simplement, on va faire la chanson lentement ensemble. Et je vais vous annoncer les deux notes qu'il faut jouer en même temps, vous les verrez. Voilà, avec l'harmonie. Allez. Et au quero, si mineur, cette quinte diminuée, c'est fa avec si. Sur mi septième, c'est mi avec si. Et ji manga, là avec mi. Et ji jaijmim. Donc toujours si avec fa sur si mineur septième minuée. Diminué, muta fita du bon film. Mi septième, donc c'est mi avec si. Akino me au jardin. Là avec mi à parama, quiero figa. Si mineur, ben c'est toujours la même chose, hein. Si et fa, figa, ji mal fim. Donc mi et si, a fa, j'tendu, quiero respira, pele, pim, pim, aqui no meu jardim. Sur Ré mineur, donc où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, que ce soit en mode majeur ou en mode mineur, la quinte c'est là, donc Ré est là, et bien c'est le là que je bascule. Ré est là. Achoubaka, Sol, où est la quinte? 1, 2, 3, 4, 5, c'est Ré, donc Sol et Ré. Inundandu. Sur mi septième, posse veio la mi avec bramim, avec mi. Ré mineur septième, donc ré là, toujours. Au tempo vai, sol avec ré, quando tempo già foi. Do majeur septième, do et sol, hein, bien sûr, la quinte. Hein. Ningue mais, mi et si, et sono is doi. Donc, pam, donc ça ne change rien qu'on ait une neuvième bémol. Hein. C'est mi notre fondamentale. Pam, bam, bam, pam, 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 pam. Vous pouvez faire des arrêts si vous voulez. Hein. Vous voyez, so, par exemple, so, noise, do. Pam, bam, pam, quero ripasarim. Vous appropriez la chanson. Hein. Moi, j'en ai pas fait pour pas faire de confusion, mais ça peut très très bien se faire. N'est-ce pas?
Donc, Keroum, Passarim, au changement de couplet, par exemple, ou au refrain, à la fin du refrain. Passarim. Donc, mi, bah oui, là, vous voyez, écoutez, regardez. Samyutom Jupim. Lokashoera et Marsemfim. Vous voyez, c'est très explicite, vous voyez bien. Akineum jardim. 1, 2, 3, 4. Kerom Sheuro Jalegrim. Miesi, tua bellezza di adorim. Sur le mi-septième, mi-essi, akinum, akinum, mi-ujadim. 1, 2, 3, 4, allez, on s'en va sur le refrain. Ashuvaka, sol septième, inundandu, kapim, do majeur septième, do et sol. Do mi-jmuseo, mi-essi, vosseveio, laimim, pramim. Tempo vai, la mina septième, sa septième, quando tempo già foi, bam bam ba, do majeur septième, do et sol, quando mingi mai, mi septième, sonois dois. Vous pouvez faire ça par exemple, d'accord? Dernier couplet, keronko, jig di sete, sa bomba. Vous pouvez changer aussi votre bossa nova, vous hein, voyez, la rendre plus langoureuse encore. Hein. Fondamentale tonale, tierce mineure, quinte, sixte, neuf, pas. Waouh, que c'est beau! Voilà, mes amis, donc vous avez tout hein, pour. Donc, Eusso, Kerum Sovesim, Echimanga, Echajimim, Monta Fita. Bom fim aqui, aqui no meu jardim. 1, 2, 3, 4. Quero figa de marfim, afastando que eu fumi. Respirar e limpim bem aqui no meu jardim. 1, 2, 3, 4. A chuva cai. Oh, je m'en lasse pas. Oh là là, j'adore ça. Bon, mes amis, merci en tout cas de votre fidélité. Et puis, donc, vous avez, c'est vraiment, vous avez vu, au plus simple du simple. Je peux pas mieux. Bah, j'espère bien vous avoir expliqué. Voilà les choses. Et moi, ce qui me rassure, c'est que vous pouvez jouer en balade, en bosse, même pas en juste plaqué. Et au soquerum sovesi. Juste plaqué. Peti manga e ti chajmim, muita fita do bom fim, aqui no meu jardim. Quero figa de marfim, afastando que é ruim, respirar pelim pim pim, aqui no meu jardim. Je ne saurais pas vous dire mieux. Si vous avez la curiosité d'explorer ma chaîne, comme je vous l'ai dit, vous y découvrirez mon grand amour pour Carlos Tom Jobim. Je vais consacrer une playlist. Vous y découvrirez aussi mon grand amour pour Michel Legrand et puis pour toute la bossa nova, bien entendu, qui me passionne depuis si longtemps. Donc, j'essaie de vous simplifier tout ce que je peux. N'oubliez pas de regarder dans les tutoriels. Je ne peux pas toujours tout chanter. Là, c'est déjà trop haut pour moi. Je suis obligé d'avoir recours pour vous proposer des tonalités faciles. Hein. Sinon, évidemment, je peux jouer en fa mineur, mais ça va être plus difficile pour vous. Donc, merci de votre attention, de votre compréhension et de votre bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.